Bienvenue sur Tennis Court. Alors, pour l'exercice d'application 1, qui est une pratique directe sur les remarques qu'on a étudiées sur la structure ci alors, je vais vous donner un algorithme, puis un deuxième algorithme, on va le voir après, où on va essayer de traduire en Pascal, qu'on va traduire en Pascal, et qu'on va essayer de respecter les remarques de que Fancy n'est pas traduite en Pascal, on ne met jamais de point virgule avant S, et quand on a plusieurs instructions dans un traitement, on met begin and, ok? Donc on va voir le premier algorithme, algorithme exemple 1, écrire, introduire n, lire n. On va commencer la traduction petit à petit ensemble. Donc comme d'habitude, on commence par programme, exemple 1, le nom du programme. Uses, insert, var, pour les variables. Qu'est-ce qu'on a comme variable ici? On a une variable n et une variable message, msg. D'accord? Donc n ici, puisqu'on parle de négatif et positif, ça peut être un réel ou un entier. Donc on va mettre un entier, n.integer. D'accord? Et message. Le message ici, positif, négatif, ça ne peut être qu'une chaîne. String. Normalement, on a étudié ce type-là l'année dernière. Donc, tout ce qui est texte, c'est une chaîne string. OK? Begin. D'accord? Alors, on va commencer. Écrire, introduire n, lire n. C'est-à-dire write. Simple code, n'oubliez pas. Point virgule à la fin, n'oubliez pas encore, readLN n. Après, on a six conditions, si n positif, alors. Donc le si, on a dit, c'est if. If 20. Alors c'est 20. Donc if n positif, supérieur ou égal à 0, comme c'est comme ça, c'est plus supérieur ou égal à 0. Alors 20, message reçoit positif. Message de point égal positif point virgule et write message. D'accord? Alors si je vois ici dans ce bloc là, dans ce premier traitement, le premier traitement déjà composé de deux instructions, une affectation et une opération d'affichage, reçoit et écrire. Ici, voilà, c'est traduit en deux opérations. Et qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la remarque? On a dit que si le traitement est composé de plusieurs, c'est-à-dire deux ou plus, bien sûr, même si 3, 4, 5, hein, dans plusieurs instructions, on est obligé de mettre begin 1. Donc ici, je dois encadrer mon traitement par begin 1, point virgule. Ça, c'est pour ce bloc. D'accord? Après, on a sinon, else. Et qu'est-ce qu'on a dit pour le S? On a dit que si on a S, le point virgule qui précède le S doit être supprimé. Donc ce 1, on va enlever le point virgule. S, qu'est-ce qu'on a? Écrire négatif. Write négatif. Fancy. On a dit, Fancy n'est pas traduit en Pascal. Je ne vais rien faire à la suite. Il n'y a pas de and if, ni de and si, ni rien. OK? Et fin du programme, c'est un point. C'est clair? Donc ici, dans le deuxième bloc, où on a seulement l'opération d'affichage écrit, je ne mets pas de begin and. Dans le premier bloc, où il y a deux instructions, je mets begin and. Ça, en réponse aux remarques qu'on a étudiées. On va passer vers l'exemple numéro 2. Algorithme numéro 2. Au début, c'est la même chose. Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire programme exemple 2, point virgule, uses winCRT, point virgule, var n integer
est message string. Begin. Au début, bien sûr, c'est la même chose. Je vais saisir un, donc write, introduire un, readline un. Après, maintenant on est dans le bloc conditionnel si. Si n positif, alors if then, donc si alors if n supérieur ou égal 0, then, ici, dans ce bloc-là, j'ai une seule instruction, écrire positif. Donc, je n'ai pas besoin de faire begin and. Directement, je fais write positif. D'accord? Else, on a dit pour le else, on ne met pas de point virgule avant else. Donc, ce point virgule va être après enlevé. Else. Dans else, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai deux instructions. Message soit négatif, écrit message. Deux instructions, donc, doit faire begin 1. Donc, begin. Message reçoit négatif. De point égal. Négatif. Et write. Write message. Et un point de vue. Ça, c'est un point de vue. C'est pour ce begin. Et le fancy n'est pas traduit en Pascal, donc je ne vais pas mettre ici ni un if, ni un, ni rien. Donc ce un, c'est pour le begin de plusieurs instructions, et c'est tout. Et la fin du programme, un de point. D'accord, c'est clair? Merci pour votre attention sur mescool.tm.